Et toujours en rapport avec le froid et la météo hivernale, parlons à présent de la grippe qui a bel et bien fait son apparition dans la région et qui s'intensifie même depuis quelques jours. Le nombre de cas de grippe est plus élevé chez nous que dans le reste de la France. Particularité, cette année, elle touche plus facilement les jeunes car les personnes de plus de 65 ans sont en général vaccinées. Le rappel des médecins est donc clair, les personnes à risque doivent se faire vacciner et rapidement. Pour le reste, c'est toujours la même chose, bien se laver les mains et régulièrement au cours de la journée et bien sûr bien se couvrir. Écoutez les explications du docteur Nathalie Makoviak quant aux symptômes de la grippe au micro d'Élodie Bernachon. Un début brutal, c'est des courbatures, de la fièvre. Couché au lit, 39 de fièvre, un peu mal partout, mais pas vraiment de symptômes prédominants. Ils toussent un peu, ils ont un peu mal à la gorge, ils ont un peu mal au ventre, ils ont par contre des courbatures partout. Ça dure 5 jours et il faut 2-3 jours pour s'en remettre. C'est tout simplement utiliser des mouchoirs jetables. Se laver les mains, éviter d'éternuer ou de tousser à la figure de quelqu'un. On met la main devant la bouche et puis on se relave les mains après. Et on évite d'aller dans des endroits où il y a plein de monde et d'embrasser tout le monde, quoi.